Nous dit bonjour à tout le monde. Bienvenue sur Love and in Care au Suisse. C'est un plaisir pour nous avec nous, dans un moment ça pour nous aborder un sujet qui est très important, la question de marier, remarier, divorcer. Donc nous allons regarder ensemble, est-ce que ça, c'est des questions qui, c'est des points qui Bible, qui ça la Bible enseignait cette question ça. Parce que dans le monde qui sont marié, qui divorcé et qui t'as remis qu'on est, est-ce que yo capable de remarier? Okay? Donc, si vous divorcez, qui est op, option que vous gagnez eh, Qui est disponible pour vous selon la Bible Donc, nous allons regarder, premièrement, qui ce que bon Dieu dit à travers question ça, Il a considéré le premier livre de la Bible, qui c'est Genèse. Il a considéré Genèse chapitre 2, le verset 24. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc c'est position, ça c'est idéal là, pour y venir une seule chair. L'homme l'a quitté maman et papa et il va l'attacher avec une dame et dame que l'il a avec l'un et il y a venu une seule chair. Donc il y a pas venu plusieurs chairs, il y a venu un seul être. Donc c'est ça le plan de Dieu pour, pour l'homme pour que Yovini y ait une seule chair. Et l'autre question que nous allons considérer, l'autre texte que nous allons eh, considérer pour eh, Jodir, hein, c'est Matthieu 19, le verset 6. Matthieu 19, le verset 6, il dit que Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, nous voyons que l'homme. Et ça deux qui sont mariés, ils yon seul cher. et il dit que, que l'homme ne sait pas donc point ce que Dieu a joint. Donc l'homme n'a aucune autorité pour être capable de dissoudre lien que Bon Dieu, mettez lien qui crée entre un homme et une femme. Donc principe de base que nous devons comprendre, pas de divorce. Et remariage. Ok? Divorce et remariage. Il hein? n'est pas mentionné là parce que vous venez, en se cher. Et si nous avons considérer 1 Corinthiens chapitre euh, chapitre promi, 7, 1 Corinthiens chapitre 7, les versets 10 et 11, nous pouvons regarder qui sa Poutre Paul dit à ce propos. Donc, nous en, en essayer de garder 1 Corinthiens chapitre 7, qui ça que Apôtre Paul lui-même dit dans un, un bagage ça. Dans un Corinthien 7, il dit à ceux qui sont mariés J'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Que la femme ne se sépare point de son mari. Donc, question de séparation que fian n'est pas séparée de mari. Donc, c'est la position de la Bible. Et si elle est séparée, Kèl demeur san se marye ou kèl se rekonsili avèk son mari e kèl le mari nou repudi pouen sa fam. Nou komprenn kèl que, kèstyon de separasyon divorsan ou marye, nou wè kèl lè kèlè alè, si moun nan ta separe, kèl lè rete san kèl lè pa marye. Donk lè pa yon opsyon kèl moun nan si bagayou pa Ok pou wè la, man ni jous divorse, e pi mal marye avè kon lèk moun. Wè la, si moun nan wè marye, si moun nan separe, pa gen wè maryej. Donk, sa bagay sa, son bagay pou nou blie nan azjen dan. Se sa ke apotropo livle Mentionné. Donc, nous prenons laisser garder, nous continuons continuer et pèlerinage nous à travers l'étude ça pour nous comprendre. Et si ça qui était important pour nous comprendre, c'est le principe de base. Yo. Nous devons comprendre le principe de, de base. Qu'est-ce qu'un mariage, divorce, donc, les pas, si le texte que nous considérons là, nous voyons que nous venons seul cher. Et dans 1 Corinthiens 7, verset 10 et 11, donc, si nous nous séparons, pour compte. Et si nous avons considéré Matthieu chapitre 19, Matthieu chapitre 19, le verset 9, qui ça lui-même lui mentionné sous question. Donc, nous voyons que dans Matthieu chapitre 19, le verset 9, il se lit ainsi Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Donc, ça c'est Jésus qui a parlé. OK? Il dit, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Kounia, ça qui est important, nous besoin comprendre, une compréhension complète, exhaustive de la question de l'infidélité. Parce que, il y a des gens qui interpréter infidélité comme quoi madame m'a bon menti, Marie, m'a bien menti, lui de tout le temps, donc c'est son acte d'infidélité, donc lui a supposé séparer avec elle. Mais non, arrêtez là, la question, le mot grec que traduit par infidélité, c'est le mot pornéa, que traduit par infidélité, donc qui voulait dire tout simplement immoralité sexuelle. Et le mot pornéa, il englobait toute forme d'immoralité sexuelle que moun a pratiqué toute forme d'immoralité sexuelle donc li englobe ça yo la eh, homosexualité et eh, créé un partenaire qui gagne plusieurs mondes que li gagne des rapports sexuels avec eux Tout ça yo englobe tout ça le mot hornéa li englobe yo toute forme d'immoralité sexuelle ça donc c'est pour cause ça que Mouna est capable de remarier dans le cas contraire il est capable de séparer, de divorcer et épouser l'autre monde. Dans le cas contraire, il n'est pas en option. OK Si ce n'est pas en raison comme ça, donc, il n'est pas en option que l'on a un marié. Donc, ce n'est pas qu'il adultère. Donc, pour juste choisir pour moi et séparer ma ou mariée, donc, il n'est pas correct. Donc, c'est seulement ça que qui en option, la question d'adultère. OK adultè alè, ki ka ba, ba liye an separasyon e pou moun nan ta wè marye. Dan le ka kontrè, pa genyen opsyon sa. E, an konsidere le ka ke partenè alè. Partenè e kontè ke li otorize partenè alè, dezerte, e lot lan li, li separe eske moun nan ka pa wè marye. Si nou konsidere, an korentien, chapitre 7, versè 12, À 15. Donc, nous considérons un corinthien déjà. Donc, nous avons fait l'autre bagarre, nous avons considéré d'autres euh, versets. 12 à 15. Dans le verset 12, ans, il dit aux autres Ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis Si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. OK? Que le pas séparer de lit, qu'elle ne pas divorcé. Et Au verset 13, Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le, non, le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère, autrement vos enfants seraient impurs. Tandis que maintenant, ils sont purs. Au verset 15, il se lit ainsi Si le non-croyant se sépare, qui se sépare Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Donc, si le frère non-croyant, il n'y a pas d'ici si le frère croyant, non Parce que pour, pour Apôtre Paul, donc frère croyant doit uni a partener li a madame li ou bien a mari li. Frèr kwayan, frèr kwayan, li kapab frèr, le frèr frèr um, kwayan ou bien sèr kwayant la, donc li dwe rete uni avèk partener li, avèk moun kol gen nan vil la. Donc se jak fèk apotripol li pa mansyonel kom yon bagay ke moun nan kapab ouye mari. Et, et Texte dit qu'il est capable de séparer, mais il n'a pas adressé la question de remarier, contrairement avec Jean-Pierre Moun dit. Donc, il n'a pas adressé la question de ça. Et maintenant, la question que l'on peut se poser s'il y a des cas d'abus, d'abus physiques, sexuels ou émotionnels, est-ce que ça suffit pour que nous séparions ou bien nous divorcions OK donc mon c'est vrai que nous nou nou, le dieu que nous servons c'est un dieu d'amour donc les papes jam comme qu'on crase la au tout temps donc au capable de mourir donc si mon séparé Jean Tex dit ou mon quitter l'espace. là il pas raison divorce OK nous clair là-dessus il pas en raison de divorce les pas en raison tout pour mon remarier cependant monant s'il sépare il sépare de Mouna, il sépare de et espacant pour bailler le temps à la personne de se repentir ok monant repentir de ses mauvaises actions il continue de prier pour fermer prier pour et foyer et pour bon dieu fait travail. travail !» ok mona capable de repentir de ses mauvaises actions et après si mona repentir les changer de comportement donc les Vignes jeunes mari ou bien vin jeunes madames donc ils ont comme avant, ils ont continué vivre, de famille que ont gagné. Et question que nous n'avons pas posée, qui comportement Bon Dieu? Parce qu'on on a dit, Bon Dieu dit, Bon Dieu dit, mais Bon Dieu parlait à travers les Saint Écritures. Qui comportement par rapport au divorce? Comment que ouais Question ça. Donc, nous allons considérer Malachie chapitre 2, le verset 16, pour que nous, capables fêtent nous y une meilleure idée de comment est-ce que, bon Dieu, lui-même, lui, agit sur, lui, où ouais, est la question du divorce. Malachie chapitre 2, verset 16, il dit, car j'ai la, la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit. Et, sois, et ne soyez pas infidèles. Car, oh, je reprends le texte, car je hais la répudiation de l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèle. Ça montre clairement que bon Dieu n'a pas toléré la question de divorce. Lit contre cette question. La question de divorce, son point que bon Dieu lit contre lui. Les pas pa à avis ça du tout. Donc, nou, il est vrai que chaque séparation, chaque divorce, les sont résultats de péché. Certaines fois, c'est une qui fait péché au détriment de l'autre. Et certaines fois, les fait autant partager Donc, chaque monde a une de responsabilité dans ce qui fait là, dans la séparation. Hein, parce que chaque monde a un comportement qui peut être... Euh... Un comportement fautif qui refusait pour pardonner. Donc, est-ce que et divorce est son péché qui moins pardonnable tout autre est que tout l'autre péché? Est-ce que les moins pardonnable ou bien son bagage que bon Dieu pas blayer, pas pas Donc, nous pouvons regarder... garder quelques textes pour nous, pour nous faire être nous une meilleure idée. Parce que nous ne voulons pas avoir une opinion, pas mais nous voulons considérer les Écritures. Et les Écritures, c'est sous-autorité, non Donc, c'est lui qui gagne le dernier mot. Pour ça que nous considéré, ce n'est pas l'Église, mais c'est la Bible qui est sous-autorité. Au verset 26, verset 28, il dit, car c'est car ceci est mon sang le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés pour la rémission des péchés donc si est-ce que son péché contre le c'est qui paque, pardon non nous nous non, 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 pas ça pas rien qui dit ça là nous pas ça donc nous pas mettre ça que la bible dit donc pour la rémission des péchés oui certainement gen, 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 gen pardon donc si nous considérons Éphésiens chapitre 1 le verset 7 Éphésiens chapitre 1 et verset 7, qui ça que euh, Apôtre Paul dit? La question. Il dit que en nous, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Ok? Nous gagnons la rédemption, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Donc, gagnons pardon. Donc, gagnons pardon si nous n'en divorçons. Mais est-ce que ça veut dire que vu que gagne pardon, mon n'est capable de marier euh, comme bon lui semble. Non, c'est hors de question. Ok, C'est hors de question. Si nous considérons le principe pour nous arrêter, nous capables de l'apôtre Paul dans la question ça, si mon a divorcé, est-ce que mon est capable de marier Donc, nous ne voulons pas opinion pas non, pour ne pas dire que Erson eh, er Bonhomme dit ceci, Erson Bonhomme dit cela. Nous plus voulons... Reliez à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul vient aider à comprendre la question. Ça que l'apôtre Paul dit dans la question, dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 11, il dit, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Donc, c'est le comportement, c'est la position de la Bible. Si nous n'a séparé que l'irriter sans ne pas marier. Donc, ça a montré clairement la question de marier, divorcer ou remarier. Donc, ce n'est pas un point de vue qui est supporté par la Bible. Claire. Ce n'est pas un point de vue qui est supporté par la Bible. Parce que texte en clair. Si mon séparé séparé que l'irriter sans que l'est pas marié. Ok? L'irriter sans que l'est pas marié. Et si qu'on y mon hein, monsieur senti que l'est pas carré seul que l'I réconcilier avec Maril. OK Que l'I réconcilier avec Maril, que l'I réconcilier avec Madame. Née. Donc, ça a son point qui est très clair. Kounia nous pas regarder 1 un Corinthien chapitre, euh, nous considérons Ephésiens, et, et, donc nous pas regarder 1 un Corinthien chapitre, euh, le même chapitre n'a considéré verset 12 jusqu'au verset 15. Il dit aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Ok? Ou pas qu'à divorcer avec elle. Ou fille de marie avec elle, vous dit après, monsieur n'était pas de pas de chrétien, et ça, il faut me divorcer avec elle. Non, non, c'est hors de question. Et au verset 13, il dit si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Ok, vice-versa. Au verset 14, il dit que car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère, autrement vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Et au verset 15, si le non croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre. En paix. Donc est-ce qu'elle dit que mon incapable capable remarier Non, texte pas adressé question ça du tout. Il n'a pas dit que mon incapable capable remarier, seulement si que on gens de bagarre qu'on s'est t'arrivé, mon n'a séparé que les séparé. Donc pas question de, 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 de 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 divorce. Donc pas question pour mon n'a remarier. Donc mon n'a pas gagné autorisation ou pour que remarier. Donc c'est des bagailles qui clair c'est des bagages, c'est des points qui assez très clairs. Et si nous considérons Matthieu chapitre 5, le verset 32. Matthieu chapitre 5, le verset 32, il dit "Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour cause de fidélité, l'expose à devenir adultère, que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère." Donc, au monde par exemple, ki divorse a madame ni, sauf pou kose de fidelite. Li expose, moun nan pou veni anjilter. Donk, moun gar son, par exemple, moun menm ki pa marye, e pi mal renkontri ave kon dam ki te marye deja, ki repudye, e pi mal pre moun sa mfe shume manvel, donk, la bi kler ke moun komet yon anjilter. Paske moun gen yon fom ki repudye, donk moun komet yon anjilter. Pas à sortir de là, moins à vivre dans l'adultère. Donc c'est vrai que l'Église doit marier, sonner, ben bonne bénédiction, certes, mais moins cela n'empêche ou bien cela n'enlève euh, le caractère péché, délicieux de l'acte. OK Donc il y a toujours a le caractère péché que l'Igénie. Que, que Donc le fait que l'Église est à... Euh, or, Autoriser ça, n'est pas empêché que l'est pas péché. Parce que l'Église doit se soumettre à l'autorité de la Bible. Mais ce n'est pas l'inverse. L'inverse n'est pas vrai. Donc, c'est un bagage qui est très important pour que nous comprenions. L'inverse n'est pas vrai. Parce que l'Église, la Bible, paraît pour l'adapter à la société. Hein? Mais c'est la société, c'est croyant, au, au les croyants qui pour à aux Saintes Écritures. Donc, l'idée est clair que la Bible n'a pas appuyé ça. La Bible n'a pas appuyé l'idée ça du tout, marié ou remarié. Donc, il n'est pas, pas biblique. Et au verset, Matthieu chapitre 19, le verset 9, il dit, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Donc, nous parlons de ça, nous parlons de texte et ça, et nous, de considération qui gagne pour ça, pour mot infidélité. Donc, nous voyons que question ça yo pour mon marié remarier etc. etc Donc c'est pas des idées qui totalement qui c'est pas des idées qui bibliques pour on est juste marié jodiant dis, on est marié demain si Dieu veut, décidez décide pas de marier encore et puis malim prend l'autre monde. Donc c'est c'est faux, idée ça n'est pas supporté par la Bible. Donc bon Dieu voulait que institution mariage l'héritait debout. OK Bon Dieu voulait que Institution ça a debout que monde gens qui sont yo capable capables de Parce que yo uni pour la vie. Autant que madame a vivre, autant que monsieur a vivre, donc aurait été marié, y aurait été lié. Okay? Donc y'aurait été lié, question de divorce. Donc c'est n'est pas un bagage pour que nous comme chrétiens nous envisagez Donc c'est clair. Donc seule exception qui gagne, c'est dans Matthieu chapitre 19, le verset 9, qui sous écran, que nous considérons, à part que la Bible l'a mentionné. Donc, seulement, ou après que a parlé d'exception, ça seulement dans le livre de dans, dans l'évangile selon Matthieu qui parlait d'exception. Hein. Donc, à part de ça, ou après que tout l'autre auteur, l'autre auteur euh, de, des évangiles synoptiques, vous juste pas aucune, pas aucune option, pas aucune ouverture pour question ça. C'est seulement et, et, Matthieu qui gain et cause de fidélité. Et donc, contrairement avec ça, on pensait que infidélité, veut dire dit, mensonge, mon n'a pas menti, etc. Donc, ça, en cause du divorce, mais non, ce n'est pas, pas, pas la définition du mot porné. Donc, c'est ça qui fait que l'Église gain obligation, gain pour responsabilité en tant que représentant immédiat de Dieu pour permettre, pour encourager famille. Pour y été ensemble, pour consolider les liens familiaux, pour que pas de question de divorce. Parce que la Bible est claire à ce propos. Dans Malachie, chapitre 2, verset 16, il dit clairement que bon Dieu, il raillit le péché. OK? Donc, s'il raillit le péché, en tant que monde qui appelait pour nous faire la volonté de Dieu, pour nous suivre, bon Dieu, pour nous faire le plaisir, donc nous devons gagner le même comportement. Et le divorce, c'est capable, un de dernier recours, un dernier recours qui est capable disponible à l'homme, ok? Donc dernier recours, mais non, ouais que un peu fois depuis que y a un problème, et puis mon on a dit ok, donc nous n'a pas nous divorcé, n'a pas faire nous pas divorcé. Donc, j'ai deux bagages ça, yo Ils n'ont pas fait honneur à nous-mêmes comme des servantes et des serviteurs de Dieu. Donc, ce n'est pas une option pour nous. Donc, si y a des cas d'abus, des cas de monsieur a pas bougé ou bien madame, ne vice versa. Donc, est-ce que nous devons arrêter pour nous mourir? Si, par exemple, que Monsieur a son meurtrier ou bien Madame a son meurtrière ou peur pour vivre parce que peur qu'un tel qu'un doit eh, tuer ou peur soit un tel en tel eh, faire des bagailles, ou peur donc est-ce qu'on n'est pas capable de séparer non si t'a considéré apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset eh, jusqu'au verset 15. Donc, si tu as un bagage ça s'est séparé de partenaire là, donc tu as toujours été sans marié ou pas gain autorisation pour remarier, et ça, tout pas encore en cause de divorce, donc tu séparé pour question de, de, de vie, mais toujours, parce que bon Dieu voulait déclencher le ministère du pardon, nous sommes capables de pardonner une autre nous sommes capables de repentir, et nan mouna, bon Dieu, capable de travailler. Travaille dans lui pour que le monde de comportement. Reconnaître que l'action, que comportement, que le gagne est mauvais, et il changer de comportement, et nous sommes capables de continuer à vivre comme avant. Donc, ça nous permet que nous, et comme nous sommes des imitateurs de Christ, bon Dieu, dit pardonner, et quelle que soit l'offense, lui pardonner. Et imaginez qu'on a enlevé la vie pour dire, Père, pardonner, parce que pas ne pouvons pas faire ça, fait. donc lui pardonner toute offense. Donc, sauf péché contre le Saint-Esprit, que à part de ça, lui pardonner toute offense. Mais c'est comme ça, bon Dieu t'a que et, nous pardonnons l'offense, nous pardonner le monde qui fait nos torts, jusqu'à ce que nous soyons capables de continuer à vivre comme avant. Okay? Nous soyons capables de continuer et foi nous soyons capables de continuer. Donc, l'important, pour que nous considérions aussi ça, l'important. Pour nous garder de cette manière, pour que nous considérions la Bible. La Bible, c'est sous autorité, non. La Bible, c'est sous autorité, non. Donc, c'est ça que nous devons connaître. C'est sous autorité, non. Et pas de l'autre C'est vrai que la société a dit autrement, mais la Bible, c'est que nous, 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 nous voulons nous en tenir à la Bible. Donc, c'est ça. Ça devrait être notre point de vue. Si nous voulons tenir compte des écritures, nous ça est point de vue, non. et dernier texte que me veut considérer avec nous. Texte a dit, apôtre Paul dans même 1 Corinthiens 7 là, verset 39 là, il dit une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais le mari, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Donc, est ça que nous comprenons dans le texte. Une femme est liée autant que, et son, et ton, autant que son mari est vivant. Donc, ça veut dire tout simplement, que, on a choisi pour lui divorcer, la femme reste liée. Vice-versa. OK? La femme reste liée par la loi de son mari. Ok, lier était lié. Ça veut dire que les toujours été mariés, que ils séparé, là, je n'en l'autre monde. Sauf depuis, n'est pas à cause que bon Dieu exception qui fait là Donc, mon a toujours été lié. Donc, c'est li clair que les li était lié. Donc, c'est pour montrer que la question d'adultère, ou qu'on doit marier, c'est vrai que on marie ceci, on marie cela, mais aux yeux de la Bible. Ou capable toujours été dans l'adultère. Donc, mariage, la Bible a pas interprétée autrement que adultère? Donc, il important pour que nous comprenions ça. Pour nous comprenions que Jean de de bagaille ça yon, est capable d'interpréter comme un acte d'adultère. Ou capable de certes, l'église doit être beau, la société. L'Église bénit, la société beau, mais aux yeux de la Bible, il était comme un acte d'adultère. Donc, c'est des bagage qui sont vraiment important pour que nous touchions, pour que nous comprenions, pour que nous comprenions, particulièrement les dirigeants d'Église, parce que nous avons une vocation pour nous éduquer, préparer le peuple pour nous comprendre la volonté de Dieu. C'est vrai que aujourd'hui, il y a un peu courant philosophique, un peu courant théologique qui écarte des scènes d'écriture. Et L'Église, la parole de Dieu, le dernier mot. Donc, nous devons nous en tenir à la Bible. C'est ça qui est important. Et en tant que, en tant que chef spirituel, nous devons gommer pour nous consolider les liens. Nous devons goûter pour nous consolider les relations. Parce que nous, avons, nous sommes représentants immédiats de Dieu. Donc, nous avons une obligation ça pour que nous fassions ça. Nous avons obligation. Certaines fois, les gens peur, ils a confronté des difficultés, des moments extrêmes, mais ils ont peur pour y a raconter avec des dirigeants, parce que ont peur de pas exposer vie sur la place publique. Donc, c'est des bagages qui doivent changer pour que les gens aient un climat de confiance, que qu'ils parler avec des dirigeants. Et les dirigeants, ça ne pas parler avec la, la prête là. Et, pour que nous résolvions le problème ensemble. C'est ça qui fait que, le, par exemple, que on va aller l'hôpital, par exemple, les malades, ils ont considéré une approche holistique. Une approche holistique, c'est une approche qui est mon dans, dans dans sa globalité. Il a pas mon comme un qui présentait, il n'y a pas seulement a la partie physique, il y a la partie émotionnelle. tene kont de sa parti spirituel, li tene kont don, de, de lomman dan tout kompozant li. Donk le, le sal foun apos holistik. E medsèr, li pa pase tan avèk malad la. Men moun ki pase tan avèk malad la. Se si infirmier la. Se si infirmier pase tan avèk malad la. Donk gen bagay ke moun pou moun kapab, li gen doa, ou gen doa ou etansyon apè de montè. Tansyon atèryè yo ap montè. Donk ou ken doa panse ke eh, se dorz medikaman pou pour augmenter. Certaines fois c'est pas du tout ça. C'est stress, c'est bagage qui a passé dans l'esprit qui permet que il qui permet que tension, a de... tension artérielle de... la monter. Mais pour ne la qu'on est, pour un filmier qu'on est là qu ça a passé. Donc son climat de confiance, son On... On rapport pour le développer avec malades, avec patients et par rapport à un rapport de confiance à que développer ensemble patient s'est dit que l'on ouvert pour que li parle avec elle. Donc, c'est le seul à connaître que c'est stressant, c'est tel bagage qui a passé patient pour chercher adresser le by an, des professionnels. ki kap ede moun nan si moun nan nan detres spirituel pou permet ke gen yon chaplen ki vini nan yis pasan pou ede e pasyan. Donk se sa, se rapor de konfiansan. Se parey pou yon, yon lider spirituel. Donk do gen rapor de konfiansan ki etabli antre ou menm avik l'egliz, avik moun ap degliz yo, pou ke si gon problem nan fami yo, ou ka ede pou konsolide l'yen sa yo paske bon di ra yi divors. Okay? Bon Dieu a divorce. Il y a des gens qui sentent que vous n'avez pas arrêter seul. Okay? Parce que la Bible dit clairement, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, vous avez aimé un partenaire de vie. Vous avez aimé un monde. Vous avez gain ça. Donc vous avez remé ça. Donc nous avons intérêt pour que nous aidions à consolider les liens. Donc, quelle que soit la question que nous gagnons, nous sommes content pour nous répondre. Nous sommes vraiment contents pour nous répondre. Nous avons posé des questions dans les commentaires si nous avons besoin email, pou nou kontakte nou se loveinankeroinmeneswiz at gmail.com Donk se konsa ke nou apka kontakte nou vo yon email ou bien si nou bezon nou fe komante pou avek kesyon ke nou genyen nou ap kontan pou nou repon yo paske job nou nan loveinankeroinmeneswiz se pou ede nou pou nou genyon meyo kompreansyon desen dikretur pou ke nou kapab ekipe pou nou fe travay lan pou nou kapab vivyon vi ki konferman à la volonté de Dieu. C'est un plaisir pour me t'avec nous. Moi qui t'ai nommé le c'était Erson bonhomme. C'était un plaisir pour moi pour me t'ensemble avec nous. Je euh, moi Bano, plus prochain rendez-vous C'est à bientôt. Prends grand soin de vous et n'a croisé pour une prochaine uh, édition.